Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo vraiment très rapide, une petite vidéo particulière, puisqu'en fait, j'avais envie de vous parler de deux, trois petites choses, et notamment de la super promotion saisonnière qui commence ce mardi 16 novembre jusqu'au 18 novembre. Mais avant de vous parler de ça, je voulais aussi vous faire un petit retour sur l'événement On Stage at Home. Du coup, bah, encore avec la période Covid, ça se faisait encore à distance cette fois-ci. Mais l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, ça devrait changer. On Stage, en fait, c'est un événement de formation et de reconnaissance. Donc, on a toute une un passage où les démonstratrices des différents pays sont reconnus par rapport à leur vente, leur leadership. Voilà, tout plein de reconnaissance, leur comment dire, leur montée au niveau des échelons, des démarrages en flèche ou non, etc. Voilà, il y a tout un passage de reconnaissance, c'était surtout le jeudi soir. Et puis après, c'est tout un moment de formation, un moment où on découvre le nouveau catalogue. Oui, j'ai vu le nouveau catalogue saisonnier, je parle, celui de bah, du premier semestre 2022. On a pu aussi travailler sur ce nouveau catalogue, puisque dans notre boîte cadeau de On Stage, on avait un set de tampons qui sera au prochain catalogue. Vous avez déjà dû le voir passer un peu ce set de tampons sur différents groupe sur Pinterest, voilà. Certaines démonstratrices ont déjà mis en ligne certaines choses. Et puis aussi, on a travaillé avec une journée, tous les mêmes réalisations. On a fait quelques petits projets, voilà, qui étaient guidés. C'était bien, bien sympathique. Alors moi, j'ai eu la chance de le vivre avec différentes scropines de l'équipe de ma marraine, puisque ma marraine m'a accueillie chez elle avec quelques-unes d'entre nous. Et en plus, le dimanche, on a même fait une rencontre de lignée, donc avec d'autres scropines, pas forcément celles qui avaient participé à l'événement de stage. On a vraiment passé un super long week-end ensemble, on s'est bien amusé. Voilà. Oui, je disais que normalement, l'année prochaine, je sais pas trop. Vu que je suis un peu nouvelle, je sais pas trop si je peux aujourd'hui vous dire où va se situer le prochain stage. Donc pour l'instant, je ne dis rien et je verrai si y a droit d'en parler ou pas. Mais moi, je pense que je vais y aller. Je suis pressée déjà d'être à l'année prochaine. En tout cas, voilà. Si vous aussi ça vous intéresse de participer à des événements aussi sympathique que ça, des événements de partage, des événements de, comment dire, on a bien rigolé, on s'est vraiment bien amusé. Voilà, c'est le moment d'ailleurs de rejoindre une équipe et j'espère plutôt la mienne, puisque en ce moment, jusqu'à la fin du mois de novembre, si vous devenez démonstratrice, vous achetez votre kit de fourniture à 100 euros, mais vous pouvez choisir dans le catalogue annuel ou saisonnier, les deux catalogues qui sont en vigueur, vous pouvez choisir 175 euros de produits du catalogue. Ça vaut le coup quand même. Ça fait 75 euros de produits gratuits. Ça vaut le coup. Et puis après, une fois que vous êtes démonstratrice, vous avez le droit d'avoir, bah vous avez vos 20% sur tous les produits des catalogues, voire 25% si vous montez en échelon. Vous pourrez, pareil, faire des précommandes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un catalogue qui va sortir, les démonstratrices, nous, on a le droit d'acheter les fournitures un mois en avance. Vous pourrez participer à des événements on stage en France ou à l'étranger. Ça dépend où se situe l'événement. Voilà, après c'est participer, faire partie d'une équipe, partager, s'amuser, faire du petit scrap papotage le mercredi soir. Et je le rappelle comme la dernière fois,
Rien n'est obligé, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être démonstratrice juste pour vous. Même ne pas forcément communiquer ce que vous faites sur un site internet ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Si vous avez juste envie d'avoir la promotion, enfin pas la promotion, mais la remise de 20% sur les produits, voilà. C'est chacun ses objectifs, chacun ses besoins. Il y en a certaines, voilà, elles sont juste démonstratrices pour la remise des 20%. Et d'autres, elles ont envie d'avoir un peu d'argent en plus. Très vite, vous pouvez très bien, comment dire, il y en a certaines qui veulent pousser leur objectif vraiment jusqu'au bout et gagner leur vie en devenant démonstratrice. C'est tout à fait possible. Il y en a qui y arrivent aujourd'hui. Il y en a d'autres, c'est juste pour avoir, pour ne finalement ne pas payer ses fournisseurs de scrap. Voilà, elles font. Soit elles en parlent à quelques copines et elles font des commandes groupées, ou alors quelques ateliers de temps en temps, et puis très vite, on ne paye plus ses fournitures de scrap. Voilà, c'est vraiment comme chacun le souhaite. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, et Stampin' Up! A très, très bien compris qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on avait peu de barrières, mis à part bien sûr le chiffre du trimestre dont je parlais l'autre jour. C'est la seule barrière, et puis si vous n'y arrivez pas, ben voilà, vous partez et il y a Stampin' Up, vous ne demande rien. Donc ça c'est top. Mais on va revenir à la discussion vraiment du jour. C'est la promotion saisonnière. Donc du 16 au 18 novembre, c'est vraiment une promotion super sympa. Parce que contrairement à certaines promotions où il va y avoir quelques remises sur des lots ou des tampons, les lots ou les tampons, bah, très vite, ça part du catalogue. C'est plus à jour, entre guillemets. Alors, pour certaines clientes, elles s'en moquent complètement. Et puis d'autres, elles ont envie de suivre un petit peu ce que font les démos en ce moment. Et les démos, elles travaillent généralement avec les produits du catalogue. Alors que là, on est sur une promotion de produits, surtout pour la partie papier cartonné et encreur, sur des produits qu'on va réutiliser tout le temps. Ce qui est bien avec Stampin' Up!, c'est que les couleurs, on les retrouve à les couleurs. Ces couleurs-là, des collections brillants, neutres, royaux et subtils, et puis les essentiels, ça ne bouge quasiment pas. Là, ils ont bien compris encore une fois. Stampin' Up!, c'est que voilà, on n'a pas besoin de racheter X encreurs vu que les couleurs ne bougent quasiment pas. Ça, c'est top. Il n'y a que les collections in-color qui vont bouger tous les 2 ans. Là, on a l'année prochaine pour le prochain catalogue annuel. Ces couleurs-là vont changer et on va avoir une nouvelle gamme de couleurs in-color. Et puis celles qui sont sorties cette année, on va encore les avoir l'année prochaine. Et puis l'année d'après, on changera aussi une autre gamme de couleurs. Mais mis à part celles-là qui bougent tous les 2 ans, les autres ne bougent quasiment jamais. Je dis bien quasiment parce qu'il y a eu quelques petits changements, donc je ne peux pas le dire jamais. La promotion. Vous avez 10% sur le papier cartonné uni. Quasiment toutes les couleurs. À vérifier, en voyant les messages passer, je crois que le blanc simple, je crois qu'il n'y est pas en A4, mais par contre, je crois qu'il y est en feuille 30 par 30. À vérifier. J'ai pas fait tout le. Vous pourrez regarder sur mon site internet, je vais mettre les PDF. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais on a quand même deux feuilles A4 là, un recto verso, deux couleurs de papier cartonné. Donc on a vraiment la majorité des papiers en tout cas qui sont dedans. Faut regarder. Et on a même les lots de papier cartonné. Les lots, c'est un paquet en fait d'une collection. C'est-à-dire. Si vous avez envie de tester un petit peu, d'avoir plus
plusieurs couleurs dans un paquet. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un paquet de 24 feuilles de cerise carmin. Vous avez envie d'un paquet où il y a plusieurs couleurs. Et bien, on a des lots par collection. Donc là, vous allez avoir un lot avec, je crois, 2 feuilles de chaque couleur. Ce qui est pas mal déjà pour commencer souvent. 2 feuilles de chaque couleur de toute la collection. Et comme ça, vous pourrez faire plein de projets différents suivant la couleur de vos papiers design. Ça, c'est pas mal qu'on ait les lots. Donc, moins 10% sur le papier cartonné, moins 15% sur les tampons encreurs. Donc, pareil, de ces différentes couleurs, que ce soit les couleurs que de chaque année comme collection Incolor. Donc, moins 10 papier cartonné, moins 15 sur les tampons encreurs. Et moins 20% sur les poissons. Sur les poinçons, pardon. Et les poinçons, allez, je vous refais très rapidement. Je vais faire un petit peu comme ce que j'avais fait la dernière fois avec la promotion sur les sets de tampons. Je me suis amusée à regarder, alors j'avoue, pas uniquement pour vous, pour moi aussi, à regarder quels étaient les poinçons en promo. Et je pense que je vais faire ma petite commande dès le 16 matin. Dans les moins 20%, on a des poinçons qui font partie de l'eau. Vous savez, des fois, il y a des lots entre des tampons et des poinçons. Et généralement, il y a moins 10% du coup sur le lot. Là, j'ai fait mes petits calculs. Ça vaut même le coup de prendre un lot, mais de ne pas le prendre en lot. Je m'explique, vous prenez d'un côté le set de tampons et de l'autre côté le set de poinçons. Vous vous mettez à la référence du set de tampons et du set de poinçons et ça vaut moins cher que si vous prenez le lot. Donc on a ces jolies fleurs qui sont ici. On passe quand même d'un set de tampons qui est à 54 euros pour celui-ci à 43,20 par exemple. Là on a des magnifiques papillons. Ça, vous mettez ça sur une... Vous savez, les boules chinoises à souffler, là, les boules blanches. Vous collez quelques papillons. Moi, j'ai fait ça dans la chambre de ma fille. Ça rend super bien. Je continue. On va avancer un peu plus vite. Celui-ci, contour festonné, qui est très joli aussi. Les fleurs enclavées. Donc là, on est sur des lots. Hein. Des coupes d'artistes. Encerclées de beauté. Qui est ici. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Hydrangée. Ici. Avec, c'est celui qui va avec les tampons hortensia. Sur cette page, on a plante parfaite. Vous vous souvenez de ma petite carte avec les petits pots? Bon, moi, j'avais utilisé les tampons. Mais là, c'est les dies. Celui-là, il est beau. Déco de Noël. Les tampons sont magnifiques et le dies qui est ici est vraiment très joli. Des fleurs à la fenêtre, sympa si vous avez envie de la forme d'une fenêtre. Les grands félins qui est ici. Ensuite, dans les poinçons tout seuls. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas avec un lot de tampons, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de lot tampon-poinçon à moins 10% cette année. Là, on a un set de poinçons qui permet de faire un sac, comme ça. Plus les 2-3 petites choses qui vont avec les tampons. Le bouquet enrubanné. Les bordures incontournables. Alors ça, vous pouvez l'utiliser très longtemps, celui-là. C'est un intemporel. Univers d'oiseaux, cerisier en fleurs qui est ici, décor de pissenlit. Alors, attendez, je vais faire une chose, je vais juste zoomer un peu plus pour mieux voir. Décor de pissenlit qui est ici, fleurs fabuleuses, galerie florale, fleurs du marché
Ça, c'est un grand. Comme ça, vous pouvez mettre de la couleur en fond. Ça peut être très joli. Cœur fleuri. Feuillage florissant. Bon, bah ça, si vous connaissez, si vous commencez à me connaître, ça va avec mon set de tampons préféré. Et si vous en avez profité d'ailleurs pendant la dernière promo qu'on a eue il n'y a pas longtemps, vous avez le set de tampons. Donc, vous pouvez faire les découpes directes. Alors, attendez. Tu bien faire la mise au point. Je fais juste à plat. Il veut pas trop me faire la mise au point là. Voilà. Non, il veut pas. Alors attendez, on va le prendre comme ça. Donc, feuillage fleurissant. Je vais mettre mon doigt dessus en fait pour qu'il fasse sa mise au point. Un hippo et ses amis. Alors là, c'est pas du tout grave si vous n'avez pas le set de tampons, le petit hippo de Botan, le petit mouton et la petite licorne. À la rigueur, la petite licorne, même juste comme ça, on voit bien que c'est une licorne sans le tampon. Mais prenez-le dans ces cas-là pour les étiquettes. Il y a trois étiquettes de cette forme. Ça permet d'avoir une étiquette blanche devant et puis une étiquette colorée en matage derrière. Pareil, trois étiquettes comme celle-ci et trois étiquettes comme celle-ci. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'utilise. Je l'ai quasiment pas utilisé avec les hippos et tout. Je les ai utilisés souvent dans d'autres cartes avec ces formes. Vous avez envie de faire un petit ananas? On a dans les tropiques. Bon, bah là, un classique, hein. Pyramide de cercle. Là. Dans cette promotion-là, ce qu'il faut voir, c'est que faites des réserves de papier, mais aussi, si vous n'avez pas des dies intemporels comme les pyramides de cercle, les pyramides de rectangle, etc., c'est le moment. Parce que là, c'est quand même des dies, mine de rien, on en a beaucoup. Il y a 16 poinçons, donc je pense 8 de 8 cercles lisses et 8 cercles festonnés. 16 poinçons. 42 euros, c'est un petit budget, je le reconnais, mais là, à 33,60 du coup, c'est le moment. C'est le moment de craquer pour des choses vraiment intemporelles qui vont servir tout le temps. Rien de mieux. Montagne majestueuse, si vous aimez les paysages. On parle d'intemporel. Là, ça, en fait, c'est un seul. Grand dice en fait, qui vous fait plein, plein d'étiquettes. Alors vous l'avez peut-être pas forcément vu dans le catalogue parce que malheureusement il est coordonné à deux sets de tampons qui sont en anglais. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, moi j'ai trouvé ça dommage, c'est pour ça que je l'avais pas pris. Mais là, je pense que je vais y réfléchir. Parce que là vous passez une fois votre dice dans votre machine de découpe et vous avez plein d'étiquettes. Plein d'étiquettes de prêtes. Pensée de la nature, cadre décoratif, cadre décoré, étiquette peinte, les pivoines, les petits amis poilus, mise en évidence, efflorescence brodée, des jolies petites fleurs. Les points Cessia. Alors là, vous avez dû voir des choses, parce qu'à la période de Noël, il y en a beaucoup qui l'ont travaillé. Ça, encore un intemporel, l'alphabet. On a tous besoin d'avoir les chiffres et les lettres pour quelque chose, ne serait-ce que vous voulez faire les calendriers de l'Avent. Ben voilà, vous avez vos chiffres. Saison de coquelicot. Navigation en douceur. Potée de succulente. Ah, lui, il est joli. Hein. Dans la période de Noël, il est vraiment joli. Il y a une étiquette, donc c'est plein de flocons. Il y a une jolie étiquette ici, là. Elle est magnifique. Feuillage surpiqué. Ça, si vous voulez donner un petit plus à votre papier quand vous faites une boîte ou je vous montre par exemple celle-ci. C'est une petite boîte qui avait été offerte lors d'un.
partage de swap. Peux-tu bien te mettre, faire la mise au point? Parce que c'est le derrière qui compte. Voilà. Vous voyez comme ça fait joli sur le papier? C'est vraiment joli. Feuilles surpiquées. Donc en fait, on a des feuilles qui sont piquées, qui piquent à l'intérieur comme ça. Quand on appelle surpiqué, en fait, c'est que ça ne coupe pas. Ça fait plein de petits pointillés. Très joli. Là, on a des rectangles qui sont surpiqués. Ça veut dire que tout le pourtour du rectangle, hop, on a ce petit côté fini avec la surpiqûre. Et je termine avec les derniers. Couture tendre douceur. Les étoiles à coudre. Alors là, on a un dice qui est très très fin. Il y a des étoiles dedans qui sont... Alors, je vais mettre ma main. Si je veux bien faire la mise au point sur ma main. Voilà, étoile à coudre. On a des étoiles très très fines. Là, ce petit motif. Fantaisie surpiquée. Les triangles surpiqués. Toujours entre celui-ci et celui-ci. Des intemporels. Veston-cravate. Tournesol. Chic étiquette. Encore des étiquettes. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais beaucoup de dies que je viens de citer ont le petit symbole mini. Donc ça veut dire que ça passe dans la mini. La mini machine, quand je parle de mini, je parle de la mini machine de découpe. Attention, c'est chaud. Et le dernier, mot de souhait. Et là, celui-là, il est même dans les trois, dans l'anglais, anglais et allemand. On a les trois langues. Voilà. Ça peut être sympa sur une, ou sur une page de scrap. Vous écrivez en gros, vous écrivez. Vous découpez, dans du papier adhésif. Hein. Des dies comme ça, vous le découpez dans du papier adhésif. Comme ça, hop, vous enlevez l'adhésif derrière et hop, vous collez votre petit mot. Ça peut être très joli. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette promotion. Je vous laisse regarder en détail sur mon site internet. N'hésitez pas à me poser des questions pendant ces 3 jours si vous avez des questions par rapport à la promotion. J'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à rejoindre mon équipe si vous avez envie. Et surtout, si vous faites une commande, n'oubliez pas, alors je vais remettre en mode bureau pour que vous le voyez, ce code de test là sur la droite, le code de test de novembre. En rentrant en fait ce code de test, quand vous allez faire votre commande, vous allez faire votre commande sur ma boutique à moi. Et moi, dès que votre commande dépasse 50€ hors frais de port, je vous envoie un petit cadeau le mois suivant. Donc suivant votre commande, je vous envoie un joli petit cadeau. Voilà. Et puis, si vous me faites une petite commande aussi, dès que je peux commander les catalogues saisonniers, je vous enverrai un joli petit nouveau catalogue saisonnier. Voilà, je vous laisse. Amusez-vous bien, scrapez bien, et puis profitez de cette super promotion de fin d'année. Voilà, bonne journée.